Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo ainsi que sur cette chaîne YouTube. C'est Jonathan et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour l'unboxing de mon tout nouvel iPhone, l'iPhone 12. Alors pour l'instant il est encore dans sa boîte blanche et on va découvrir ensemble avec un point un peu plus rapproché, on va unboxer tout ça, ce qu'il y a à l'intérieur, comment il est et tout ça. Et on va pouvoir le comparer à mon ancien jusqu'à maintenant, iPhone XR. Donc on va pouvoir voir un peu la différence. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps, on y va. Alors voilà, on se retrouve avec les deux boîtes d'iPhone. L'iPhone XR à gauche, donc qui est ici. Et la boîte que l'on reçoit avec l'iPhone 12. Donc là, je viens juste de le recevoir, j'ai rien ouvert du tout. On va faire tout ça ensemble. Alors du coup, le petit truc à la Apple arraché. Toujours très classe. L'unboxing Apple, c'est cool parce que c'est très stylé à chaque fois. Voilà, donc là vous pouvez le voir, j'ai complètement changé de couleur. Je ne suis pas reparti sur du rouge cette fois. Je prends toujours du rouge, mais cette fois j'avais envie de changer. Alors du coup, là on a la boîte de l'iPhone. Et comme c'est une obligation en France, et peut-être même en Union Européenne, mais du moins en France c'est sûr, on a des AirPods. Et oui, parce que quand vous achetez un téléphone en France, vous êtes obligé d'avoir un kit manibre avec. Donc voilà les AirPods qui sont donnés avec, c'est les AirPods basiques. Mais bon, moi j'utiliserai plus les AirPods Pro, je n'utiliserai pas cela. Donc cela, il va rester dans la boîte. Hop. Donc là, bah, ici on n'a plus rien du coup, hein, c'était juste le carton en fait qui est rajouté, c'est juste pour les AirPods. Voilà. Alors du coup, on va pouvoir ouvrir. Allons-y. J'adore faire ça. C'est comme des bannières cadeaux de Noël. Alors déjà, au niveau de la taille de la boîte, hein, il n'y a pas photo. Vous voyez la différence. Alors, du coup. Waouh. Ah ouais. Ah oui. Ah, il est bon. Alors, la couleur, franchement, je sais qu'il y en a qui ont critiqué les couleurs de ces iPhones-là, mais elle est trop belle, franchement. Elle est vraiment trop belle. Moi j'adore. Et on n'a plus les certifications. Comme ça. Alors je sais pas où elles sont. Waouh. Et oui, effectivement. Allez. Et là, du coup, on a le câble USB-C vers Lightning. Ouais. Ah oui, il est magnifique. Par contre, les traces de doigts, je sais pas si vous voyez, je l'ai à peine touché, il y a déjà des traces de doigts. Oh là là, ah oui, effectivement, c'est salissant. Juste, ici c'est brillant et là c'est mat en fait, sur le niveau du capteur. Ah ouais, c'est super beau. Alors moi, je vous propose qu'on le démarre. Hop, s'il a de la batterie, ouais, il a l'air d'avoir de la batterie. Et là, à côté, vous avez l'écran de l'iPhone XR. Donc c'est à peu près la même taille, c'est peut-être même la même taille. Bon, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu plus petit l'iPhone 12. Il est peut-être un peu plus petit, ouais, c'est possible. Ouais, je sais pas trop, oui, à peu près kiff. Et par contre au niveau de l'épaisseur, ouais l'épaisseur c'est pareil aussi, c'est juste que là c'est plat et là c'est arrondi. Alors, et par contre, ah oui, sacré avantage. C'est mon premier téléphone avec un écran OLED. Eh oui! Alors du coup, je vais faire la configuration. Et on se retrouve dès que tout est fini. Et voilà, nous sommes maintenant sur le nouvel iPhone. Et alors, franchement, je vois vraiment... Alors, je ne sais pas en vidéo si vous pourrez voir. Et surtout que c'est pas le même fond d'écran. Donc non, vous ne pourrez pas voir. Mais vraiment, enfin, il y a une différence de qualité qui est énorme. Enfin, ça se voit direct. Là, les nus, c'est ce que je vois direct. Et le design, vraiment, il est juste magnifique. En plus, là, du coup, j'ai deux appareils photo. J'ai un grand angle et un ultra grand angle. Sachant que j'adore prendre des photos sur Instagram. D'ailleurs, petite pub, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Le lien est en description. Vraiment, c'est magnifique. Vraiment, il est très, très, très beau. Par contre, je viens de voir... En fait, ils ont raccourci les... Ils sont comme ça maintenant, les notices. Ah oui, d'accord.
C'est beaucoup plus petit qu'avant. Elles sont beaucoup plus petites. Voilà les amis, l'unboxing de cet iPhone 12 est maintenant terminé. Je vais pouvoir aller un peu m'amuser avec, le tester, le découvrir, prendre des photos, prendre des vidéos, etc. N'hésitez pas à aller sur ma page Instagram, comme je vous l'ai dit, pour voir les photos que je vais prendre avec cet iPhone. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Et si vous avez cet iPhone, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.